Raymonde de Saint-Véran, orpheline, habite chez son oncle, le comte de Gesvres, avec sa cousine Suzanne, dans le sombre château d'Obrumésy, près d'Étretat. Un soir, elle entend des bruits confus dans le parc et voit, à travers les arbres, des hommes porter des objets lourds. On découvre, dans l'entrée du grand salon, deux corps inanimés, celui de Daval, mort, et celui de Gesvres, évanoui. L'enquête, menée par la police et Isidore Boutrelet, 17 ans, détective en culotte courte, débute dans le chaos. Rien n'a disparu dans le château, mais les hommes se sont bel et bien enfouis, ployant sous de lourdes charges. L'un d'eux a été gravement blessé par Raymonde et s'est évanoui avant de pouvoir détaler. Immédiatement, Isidore Boutrelet voit dans ce scénario la griffe d'Arsène Lupin, le gentleman cambrioleur qui suscite l'adoration des foules. L'inspecteur Ganimard est aussitôt convoqué, mais disparaît. Isidore Boutrelet, de son côté, poursuit ses investigations pour éclaircir ce mystère. Parlait-il sérieusement? J'avoue que j'étais fort dérouté. La lutte entre ces deux hommes commençait d'une façon à laquelle je ne comprenais rien. Moi qui avais assisté à la première rencontre entre Lupin et Sholmès dans le café de la gare du Nord, je ne pouvais m'empêcher de me rappeler l'allure hautaine des deux combattants, le choc effrayant de leur orgueil sous la politesse de leur manière, les rudes coups qu'ils se portaient, leur fête, leur arrogance. Ici, rien de pareil. Lupin, lui, n'avait pas changé. Même tactique et même affabilité narquoise. Mais à quel étrange adversaire il se heurtait. Était-ce même un adversaire? Arsène Lupin s'oppose cette fois à Isidore Boutrelet, jeune étudiant en année de rhétorique et détective amateur génial qui va donner bien du fil à retordre à Arsène. On pense fortement comme source d'inspiration à Joseph Rouletabille, héros de Gaston Leroux, le mystère de la chambre jaune, le parfum de la dame en noir. Dans Arsène Lupin, l'aiguille creuse est le deuxième secret de la reine Marie-Antoinette et de Cagliostro, fortune des rois de France. Le mystère de l'aiguille creuse renferme un secret que les rois de France se transmettent depuis Jules César et dont Arsène Lupin s'est rendu maître. La fameuse aiguille contient le plus fabuleux trésor jamais imaginé. Il rassemble les dots des reines, perles, rubis, saphirs et diamants, la fortune des rois de France. Quand Isidore Boutrelet découvre le château qui se nomme l'Aiguille Creuse, il pense avoir trouvé la solution à l'énigme. Mais ce qu'il n'a pas compris, c'est que le roi de France, Louis XIV, avait fait construire ce château pour brouiller la véritable piste qui, en fait, était une aiguille en Normandie, près de la ville du Havre, où, aujourd'hui, ce cher Arsène Lupin, connu aussi sous le nom de Louis Valmaras, s'était caché. Et puis quoi? C'est pas encore fait? D'ici à ce que tu aies mis le doigt dans le creux de l'aiguille, il passera de l'eau sous le pont. Que diable! Il m'a fallu 10 jours, à moi, Lupin. Il te faudra bien 10 ans. Cette phrase, prononcée par Lupin au sortir du château de Vélines, eut une influence considérable sur la conduite de Boutrelet. Très calme, au fond, et toujours maître de lui, Lupin avait néanmoins de ses moments d'exaltation, de ses expansions un peu romantiques, théâtrales à la fois et bon enfant, où il lui échappait certains aveux, certaines paroles dont un garçon comme Boutrelet pouvait tirer profit.
Maurice Leblanc, diplômé en droit, travaille dans l'entreprise familiale de construction navale à Rouen. Las des coques et des mâts, il se met à composer des romans d'analyse. Arsène Lupin ne naît qu'en 1904, mais se révèle immédiatement un gentleman cambrioleur hors pair, propre à susciter l'enthousiasme de tous, ou presque. La première aventure d'Arsène Lupin, L'homme au sans-visage, est bientôt suivie par quantité d'autres romans et nouvelles, faisant évoluer l'irrésistible personnage, toujours prêt à déjouer les pièges que lui tendent l'inspecteur Ganimard, Herlock Sholmès et tant d'autres. Ce sont des épisodes riches en rebondissements. Le Cyrano de la Pègre, pour reprendre la flatteuse expression de Sartre, entre au panthéon des grands du roman policier, aux côtés d'Hercule Poirot, de Miss Marple, de Sherlock Holmes et de Rouletabille.